Yo, aujourd'hui nouvelle vidéo sur Dragon Z Dokkan Battle. On va tester du coup deux unités à 100%. Donc ouais, c'est un double test 100%. Peut-être que l'intro je l'ai fait un peu trop vite, mais c'est pas grave. C'est une vidéo, c'est du 2 en 1, 2 pour le prix 2. Enfin bref, appelez ça comme vous voulez. Du coup, comme vous avez pu tester, comme vous avez pu le constater dans il y a quelques secondes, on va tester l'Empereur Doré sous deux types différents. Et évidemment, il s'agit du Freezer dans sa version Tech en Golden et dans sa version Intelligence en Golden Ange, tous deux à 100%, parce que sinon c'est moins fun et je mentirais par rapport au titre de la vidéo. Du coup, j'ai fait du changement dans ce format de vidéo, en tout cas au passage le petit, la petite spé à 3,8 millions qui fait énormément de dégâts, mais bon, je vais pas trop avoir le temps, comme vous allez voir, de mes bailleurs devant les dégâts des unités. Moi j'ai déjà vu le gameplay, pas vous forcément, du coup vous allez pouvoir voir les dégâts que les unités mettent, même le Bojack LR là... Je crois qu'il a mis un critique et il a, ouais, il a cassé des bouts, genre quasiment du 7 millions en critique, c'est n'importe quoi. Et comme je disais, du coup j'ai fait du changement et j'aimerais avoir votre avis par rapport à ça avec vous si possible dans les commentaires ou ailleurs, hein, peu importe. Même si je trouve que c'est un peu plus facile en bas de la vidéo, mais vous faites comme vous voulez. Et en fait ce que j'ai fait, peut-être que vous avez déjà dû le remarquer ou peut-être pas, et si c'est pas le cas encore, moi je vous le dis en fait, j'ai fait en sorte de cut certains passages histoire que ce soit pas trop long à visionner vu que c'est un test à 100%. Et en fait c'est le moment où je fais les rotations entre les trois unités et que je prends les orbes de ki, etc. Pour qu'à chaque fois qu'en fait je termine un boss en face, ça passe direct à la suite et s'enchaîne et s'enchaîne, et au moins en fait ça permet d'accélérer la série de boss à vaincre tout simplement, et surtout de voir plus rapidement les dégâts de ou des unités, vu que là on parle de plusieurs unités quand même à 100%, parce qu'on va pas se mentir, quand on regarde une vidéo test à 100%, le truc qu'on fait la plupart du temps c'est qu'on clique et on cherche l'endroit où le perso il va partir en spé, et ensuite on se dit waouh génial les dégâts qu'il a mis, c'est ouf, c'est incroyable, je claquais 17 000 DS pour 5 euros aux Philippines, patati patata. Et du coup je reste quand même mitigé sur certains points, parce que en fait d'où le fait que je demande des avis du coup. Parce qu'en fait ça a du bon sens et enfin ça a du bon et du mauvais de faire ça quand même, sinon je pense que déjà beaucoup de vidéastes Dokkan le feraient. Et donc les différents choix que je me demande, c'est soit je cut les scènes pour que les vidéos testent, non, c'est soit je cut les scènes que pour les vidéos tests d'unité à 100%, soit je les cut pour toutes mes prochaines futures vidéos pour que le gameplay soit moins long, mais je ferai toujours en sorte d'expliquer le mieux possible les rotations que je fais et le gameplay, etc. Histoire que le commentaire soit assez fluide et la vidéo assez agréable à regarder, si on peut dire ça comme ça, même si ça fait un peu chelou. Et troisième option, c'est soit bah, je cut aucune scène et je laisse le gameplay tel qu'il est, comme d'habitude depuis que j'ai commencé à faire des vidéos. Et peut-être qu'il y en a, ils disent que de toute façon... ils en ont, comment dire, peut-être qu'il y en a, ils disent... Bon, attendez, je le refais. Donc je disais, soit troisième option, je cut aucune scène et je laisse le gameplay en entier, histoire que, enfin, comme toutes les vidéos que j'ai pu tourner jusqu'à présent, parce que peut-être que vous avez envie de voir l'intégralité du boss rush ou d'autres events que je ferai par la suite. Mais bon, moi, de mon point de vue, je trouve ça un peu redondant, parce que le boss rush, la plupart des gens qui regardent des vidéos de Dokkan, ils savent quel boss on affronte, comment faire des bonnes rotations, partir en spé, des items, utiliser des items, etc. Enfin, du moins, je l'espère. Hein. Et donc, en fait, là, ce que je fais, c'est que je vous évite tout simplement de regarder les moments chiants du gameplay, sauf si vous aimez pas ma vidéo tout court, et dans ce cas-là, je peux rien y faire, malheureusement, à part vous dire de pas les regarder et de plus le regarder. Après... Après peut-être qu'on pourrait me reprocher si je fais ça, putain là le Dokkan mode à 5 millions 5 quasiment, sans critique du Golden, ça fait juste trop mal. Et du coup peut-être qu'on va me reprocher aussi que mes vidéos elles sont faites à la va-vite parce que les combats ils sont coupés, parce que patati patata. Mais moi je tiens à vous dire qu'au contraire ça prend beaucoup plus de temps de faire ça, parce que du coup ça me fait regarder la vidéo en entier, il faut que je trouve le moment, tous les moments où il faut que je cut pour pouvoir les enlever, plus les petits ajouts que je fais par-ci par-là, du genre... quand je monte les items que j'ai pris en combat en claquant des doigts, genre là je fais ça et là on voit l'item, l'arbre du fruit sacré apparaître, ou si je refais ça, bah il y a un autre item, si je refais ça, il y a un autre item, si je refais ça, il y a un autre item, etc, etc. Ou même quand je fais la présentation de team aussi, et que là je dis par exemple Golden Tech, et que je claque des doigts, il apparaît là à 100% avec ses caractéristiques, etc. Pareil là, si je reclaque des doigts, on voit le Golden Intelligence, patati patata, enfin... Tout ça, c'est des petits détails, en fait, qui servent peut-être pas à rien. Enfin, peut-être pas à rien. C'est des petits détails de rien du tout qui servent peut-être à rien, mais au moins, moi, je sais qu'à chaque vidéo que je poste, je me dis qu'il y a quand même plus de travail fourni qu'auparavant. Il y a un minimum de... Je suis un minimum plus investi dans ce que je fais.
Et j'espère qu'un jour j'arriverai tout simplement à trouver un juste équilibre pour que mes vidéos elles, soient plus divertissantes. Et je sais pertinemment aussi que je suis clairement pas obligé de m'investir autant. Je sais que c'est en fait c'est un des rares jeux où c'est ultra facile de faire des vidéos dessus parce que, enfin du moins pour ma part, parce qu'en fait t'as juste à jouer, cliquer sur les boules de ki, commenter par-dessus et poster la vidéo et puis basta, les gens ils sont contents. Et je tiens à préciser que quand je dis ça, je critique aucun vidéaste, vraiment, hein, je tiens à être clair sur ce point. C'est peut-être seulement moi en fait qui suis bizarre à faire ce genre de choses, dans mes vidéos tout simplement. Mais bon, en fait, depuis que j'ai commencé, j'ai maintenant plus de 1500 abonnés sur ma chaîne, putain j'arrive plus à parler parce que je veux parler trop vite. C'est juste incroyable. Et en fait pour moi c'est même what the fuck parce que je me suis dit que je suis parti de zéro sans savoir comment record un gameplay et là je me retrouve à sortir des vidéos, faire des lives. Vraiment c'est devenu bah, comme on dit dans le Dokkan Game, une passion avec deux S, vraiment pas les deux S de l'art. Et quand on est passionné en fait par quelque chose, bah, on cherche toujours à progresser dans le domaine. En tout cas pour moi c'est le cas et c'est ce que je fais là en ce moment, que ce soit bah, du coup je vais me répéter, mais quand je suis en live ou que je fais des vidéos, je fais du montage, des miniatures, etc. C'est avec beaucoup de patience, c'est pour ça que j'essaie de rajouter à chaque fois des petits trucs par-ci par-là, histoire que ce soit un peu plus amusant, on va dire, à regarder. Et c'est pour ça qu'en fait j'essaye sans cesse de m'améliorer dans différents domaines. Et en fait aussi, voilà, c'est encore du hors-sujet, mais ce que je trouve drôle aussi, c'est que depuis tout petit, je suis un grand timide. C'est quand même ironique que je me retrouve sur YouTube à être devant des personnes en live, ou que je fasse des trucs pour que des gens regardent ce que je fais. Enfin bref, comme quoi dans la vie il se passe souvent des choses incroyables. Mais bon, je vais arrêter de débattre sur ce sujet parce que je vais partir dans un cours de philo et c'est pas vraiment trop le cas alors qu'on est sur un gameplay de Dokkan. Enfin bref, j'ai pas trop eu le temps du coup de commenter bah, les dégâts des unités, mais comme vous avez pu voir du coup, j'ai fait une rotation avec Golden et Golden Ange. J'ai mis le Golden Tech en premier parce que, enfin j'ai mis le Golden et le Golden Ange à côté parce qu'ils ont plein de lettres de ki. Mais malheureusement pour le Golden Ange à 100%, je l'ai pas mis à côté du Freezer Golden Tech. Et du coup ils ont moins de liens de ki, etc. Mais c'est pas si grave que ça, de toute façon je pense que les dégâts ils sont quand même présents. Dans ce boss rush là, on peut dire que les dégâts c'est juste n'importe quoi, sachant que les boss ils ont pas de barrière. Et voilà, je pense avoir dit ce que j'avais à dire dans cette vidéo là. Et du coup on va pouvoir se focaliser un peu plus sur le gameplay. Peut-être que j'ai parlé vraiment vraiment trop vite. J'espère que ça a été compréhensible ce que j'ai dit en tout cas, parce que sinon, sinon ça va être un peu compliqué de devoir me répondre dans les commentaires. J'avais aussi dit aujourd'hui sur Twitter que j'allais sortir un nouveau format de vidéo, donc des vidéos news concernant les prochaines arrivées, que ce soit des unités futures ou des events futurs. Seulement pour la globale. Donc à voir ce que ça donnera. Je vais essayer de tourner ça soit ce soir, soit demain, j'en sais trop rien. Mais de sortir la vidéo le plus tôt possible. Malheureusement je peux pas sortir les vidéos 2 heures après que l'info elle soit relayée, parce que bah, vu que déjà de une je travaille, du coup j'ai pas forcément les bons créneaux pour pouvoir arriver chez moi à temps et poster la vidéo tout de suite. De deux, j'ai pas la tchatch de savoir direct commenter un truc dès qu'il sort. Il faut que moi je me prépare dans ma tête, savoir ce que je vais dire, limite préparer des petites phrases par-ci par-là pour être sûr de rien oublier quand je détaille les trucs comme ça du coup. Et en plus il faut que je fasse les montages et tout. Enfin bref, c'est encore une comparaison chelou, mais j'ai l'impression qu'en fait là dans mes dernières vidéos, ma chaîne elle est en bêta, genre comme c'était une bêta test, comme si c'était un jeu, et qu'en fait plus il y a de monde sur ce jeu, plus ça motive le créateur à développer et proposer du meilleur contenu sur le jeu. Enfin bref, je vais m'arrêter là parce que je pars trop loin, mais j'espère que vous avez compris en tout cas. Et du coup là on arrive déjà on arrive déjà au Vegeta Intelligence. C'était ultra rapide, j'ai l'impression que j'ai parlé à 300 km/h. Je sais pas si cette vidéo elle sera possible de regarder en x1,5 ou en x2 pour qu'on comprenne ce que je dis. Mais en tout cas, au moins on va dire que c'était rapide et peut-être pas efficace. Mais en tout cas, moi j'ai eu le temps de dire ce que j'avais à dire. De toute manière, j'espère que vous avez eu aussi la satisfaction de voir les dégâts du Golden à 100%. Les deux Golden à 100%, parce que vraiment c'est un truc de malade. Le Golden à 100%, j'aimerais faire une toute petite dédicace ou même une dédicace à Tooniz, parce que c'est lui qui m'a prêté son Golden Ange à 100%. Donc merci à toi si tu regardes la vidéo jusqu'à la fin.
Ça fait plaisir d'avoir pu tester ton freezer, franchement il a fait grave le café. Au niveau du temps, on est à 14 minutes 34, j'ai pas essayé trop tryhard. Vous avez pu voir qu'on a utilisé les items de ki que j'ai montré précédemment en claquant des doigts. Et du coup, je vais vous laisser là, c'était très très rapide comme je l'ai dit encore une fois. J'espère que la vidéo elle vous aura plu, merci d'avoir regardé la vidéo, ciao.